What the fuck? Merde, y'a un wyvern. Bruh. I'm not afraid of... C'est bon? Oui, ça a l'air. Alors attendez. Je recadre mon jeu. Ouah, ouah, ouah. Là, nickel. Ok, on se retrouve sur Orc avec mon copain Thérésinosaur. Ah oh, mais non, mais what? Ah mais non, c'est celui de mon autre survivant du coup. Et oui. Et oui. Tu peux pas? Fuck, fais chier, c'est celui de mon pote, enfin de mon autre personnage. Fais chier la bite. Bon. Donc, vous allez, la première chose que vous allez me dire, c'est « Mais Unishot, t'as rien foutu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On n'a pas eu de vidéo pendant 2 semaines, c'est une honte, j'appelle la police. » Alors, les gars, c'est normal. C'est parce que, déjà, j'avais un petit peu la flemme de tourner des vidéos, je vais pas vous mentir. Et puis surtout, c'est parce que j'avais les trimestriels. Donc parce qu'en fait dans mon lycée, on fait des gros contrôles sur tout ce qu'on a fait depuis le début du trimestre. Et du coup, vous vous doutez bien que je devais quand même pas mal réviser. Et vous pouvez constater avec plaisir que j'ai quand même pas rien fait. J'ai terminé l'enclos des Parasaurolophus et j'ai enfin trouvé un truc qui faisait juste une barrière. Donc ça c'est cool. Alors, je sens que je vais vite avoir des problèmes parce que j'ai encore l'histoire de la souris qui se balade sur le côté. Ça fait un petit peu chiant, on va pas se mentir. Ouais, bon, on va faire avec pour l'instant. Est-ce que ça voit Siro? Non, c'est bon, sur le côté. C'est parce que... Ah oui, c'est à cause de l'application, d'accord. Donc, je vais peut-être régler ça après, on verra. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, l'enclos est terminé. Les petits Parasaurolophus sont contents. Ils ont enfin un enclos pour eux. Et aujourd'hui, on va faire l'enclos des limules. Alors lui, c'est le Parasaurolophus principal. C'est le premier, je pense, qu'on avait attrapé. Et vous pouvez voir que je lui ai foutu des lunettes sur la tronche. Regardez, c'est assez drôle. Hep, hep, hep. Viens là. Il est appelé Betsy. Voilà, il y a des petites lunettes, ça c'est drôle. Hop, on va remonter sur son dos. On va aller voir autre chose. Alors, je vais peut-être monter un peu le son du jeu, parce que sinon, vous n'allez rien entendre. Où est-ce que c'est le son? Musique, volume, master. Là, déjà, vous devriez entendre. Ouais, vous entendez mieux. Allure. Donc, voilà où j'en suis. Donc, je vais tout de suite vous montrer où est-ce qu'on va faire le nouvel enclos. Et ça prend énormément de bois pour faire toutes ces barrières. Je vous avoue, j'ai pas mal galéré, franchement. Mais le résultat est là. Franchement, l'enclos est vraiment propre. J'ai bien fait le tour en plus. Comme vous pouvez le voir, c'est pas dégueulasse. J'ai peut-être en rajouter d'autres, des Parasaurolophus, parce que ça fait peut-être un peu léger quand même. Et donc, l'endroit où on va faire l'enclos d'aujourd'hui, c'est dans l'espèce de petit lac là-bas, là, qu'on avait déjà vu dans l'épisode précédent. Tout le temps des diplodocus qui se baladent ici. On va se poser. Hop. Vous pouvez voir, voilà, ce petit truc, c'est super sympa. Ça fait un petit peu genre le petit lac tranquille. Je sais pas s'il est... Oh, non, on va le force time. Hop. On va le ramener dans l'enclos. Hop là. Et puis là-dedans, on va foutre des limules. Ce sera assez sympa. Et puis je vais sûrement mettre d'autres bestioles, genre il y a un castor qu'on peut aller récupérer derrière là, dans un... Oh, un gros nuage de pluie, dans une espèce de clairière derrière moi, qu'on ira sûrement chercher le plus tôt possible. Donc pour l'instant, de mes enclos, j'ai pas trop d'escapades, ça va. Je suis plutôt content. Hop. Alors, c'est toujours le grand jeu de réussir à rentrer dedans. Alors, hop, tac. J'ai toujours des petits lags, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, merci à un abonné qui m'a donné une petite astuce pour, hop, pour moins laguer. Donc, merci, parce que ça va quand même faire un petit peu de différence.
Bon voilà, c'est pas significatif, mais il y a quand même une petite différence. Merci à lui pour son conseil. Donc là, il va falloir qu'on ait chopé des limules. Alors, le gros problème, qui est quand même un problème majeur, c'est que j'ai aucune putain d'idée de où est-ce que j'avais vu des limules. Donc, il va falloir chercher un peu. Je sais qu'il y en a au bord de la plage, mais ça doit pas être dans tous les biomes. C'est ça qui fait un peu chier. Parce que là, il me semble pas en avoir déjà vu sur ce genre de plage. Donc, on va voir. Où est-ce qu'il s'est barré mon pterosaure? Je sais pas, j'ai dû le reprendre. Ah, attendez, lui je peux le prendre. Ah non, lui c'est le pterosaure de l'autre survivant, de Bob. Là, le truc c'est que j'ai installé le mode Play as a Dino. Du coup, voilà. Du coup, ouais, en fait, mon autre survivant, je l'ai utilisé pour le mode. Donc, du coup, si j'avais pris mon autre survivant, je serais apparu en tant que Wyvern, ça aurait été un beau bordel. Ouais, j'avais un pterosaure. Hein. Attendez, où est-ce qu'il est? J'ai vu ce que c'est, les cris, les sifflements. Ça, je suis vraiment sûr que c'est le produire de venir, je pense. Je l'ai complètement paumé. Bon. Parce que moi, si j'ai pas un truc volant, ça va être chiant. On va se taper toute la côte. Ça va être un peu lourd. J'ai cru que c'était un castor, grosse déception. Parasaurolophus, d'accord. Je vais aussi vous faire une autre série sur Ark. J'ai dit que j'en ferai pas, mais finalement, j'ai envie d'en faire. Mais ce sera pas vraiment, enfin, ce sera une série, mais les épisodes se suivront pas en fait. Enfin, je sais pas en fait. En fait, je sais pas trop s'ils suivront pas. On verra. Parce que le mode Play as a Dino est complètement énormissime. Je m'amuse vraiment dessus. Après, ça va peut-être. What the fuck? Merde, y a un Wyvern. Bruh. Ma weed, bro. Houston. On a un problème. Oh putain. C'est quoi ce bordel? Oh non. Mais comment ça, Wyvern? Oh non. Oh non. Oh non! Non, viens pas, viens pas. Parce qu'encore, s'il fait mumuse comme ça va. S'il reste là-bas. Pas de problème. Mais s'il vient faire chier mes dinos, là, ça va se compliquer. Et en plus, c'est pas même pas un Wyvern normal, c'est le boss des Wyverns. Oh putain. J'aurais pas dû l'invoquer. J'aurais pas dû l'invoquer. Le con. Par contre, il y a plein de Parasaurolophus, ça c'est cool, on va pouvoir faire un enclos assez chargé. Oh, c'est quoi ça? Je vais voir un truc. Ah, c'est un. J'adore ces bestioles. D'accord. Le listrosaure, il me semble que c'est eux qui avaient survécu, en partie des dinosaures qui ont survécu à l'extinction de masse avant le Trias. Bonjour. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Listrosaure, je crois que c'est ça. Comment tu t'appelles? Voilà, Listrosaurus. Il me semble que c'est. Ils font partie des. Il me semble que c'est un mammifère, hein, si je dis pas de conneries. Et qui font partie des bêtes qui ont survécu à l'extinction de masse avant le Trias. Et c'est des bestioles qui se planquaient dans le sol. Alors je sais plus exactement si c'est eux ou pas. Oula, on est là.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors je suis en god, hein. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Je maîtrise la situation. Tiens, allez, avec toi. Mais putain, il y a combien des trucs comme ça? Bon, il faut qu'on trouve de la limule. Bon, finalement, on va peut-être bien utiliser un truc. Oh, neuf! Excellent! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Génial, on a trouvé un œuf. Parasaurolophus egg. Petit to gain. Ryusitin recip or. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on fait pour le faire grandir. Je pense qu'on va le laisser là. Parce que je sais pas du tout comment on fait. On va espérer qu'il va éclore. Je regarderai comment on fait parce que oui, ça pourrait être vraiment intéressant. Hop, allez, viens toi. Parti. Bon. Lilimule. On va aller voir le long de la plage si on trouve des trucs qui ressemblent. Théorie, ils sont juste au bord de l'eau comme ça. Enfin, les fois où j'en ai vu, c'était juste au bord. Je sais pas trop si on peut cueillir des poissons. Et genre pour les ramener ailleurs. Ça pourrait être intéressant. Pour faire des aquariums. Putain, c'est des sons profonds ici. Alors il y a aussi le mode Monster Hunter qui est activé. Je sais pas si ça fait apparaître les mobs naturellement ou pas. Enfin, si les mobs de Monster Hunter peuvent apparaître naturellement, j'en doute. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'en a pas vu. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des petits freezes de temps en temps. Donc voilà. J'ai comme ça. J'ai comme ça. Quand j'aurai une excellente ordi, on pourra. Oh putain, un petit singe. Lui, je me demande si je peux pas le foutre dans la poule, une connerie comme ça, ce serait cool. Non! Reviens copain! Va pas dans l'eau! Tu vas te faire bouffer! Va pas dans l'eau copain! Il va aller toujours essayer de refuser un mégalodon. Ah, c'est vrai qu'il revient. Merde. Bien. Hop! Alors. Viens là copain! Non, t'en vas pas. Oh, vas-y, nique-toi. J'ai pas ton temps, moi. Alors, Attends, ça me tarde qu'on fasse un enclos avec ces petites bestioles. J'adore. Moi, j'espère qu'on va pas tomber sur le wyvern. J'en ai pas encore vu dans le jeu. Putain, c'est cool. J'avais pas encore vu de Viraptor. Après, c'est peut-être une question de difficulté. Parce que là, j'ai un petit peu augmenté la difficulté, donc il doit y avoir plus de bêtes. Là-bas, une émule. Faut que je la sauve. Ya. Pour Narnia. Okay.
Cassé, j'imagine. Super. Allez là. Ah, c'est un triobit. Ah oui, bah oui, je me trompe. Je confonds les limules et le triobit, effectivement. Allez. Voilà. Triobit. Voilà. Dis-moi toi, tu voudrais pas me suivre par hasard? Oh putain le Google! Non, on est copains. Hein. Allez viens. Tu me suis? Yay! Doucement mais tu me suis. Ok, on va aller retourner au Parasaurolophus. Oh putain, tu veux être chiant toi, je peux pas te choper. Je sais même pas si au départ cette bestiole est censée être tame par les joueurs tellement elle est nulle. S'il vous plaît. J'arrive pas à le focus, c'est chiant. Comment est-ce que je peux me baisser? Merde, je suis trompé de bouton. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah là là, j'ai pas pouvoir le porter. Putain, va falloir le traîner le truc. Bon, eh bien. Oh putain, j'espère qu'il va pas nous faire chier l'autre. Viens, petite limule. Petit trilobite, je vais pas y arriver. Allez, on monte sur le Parasaurolophus. Et on le go. Il me suit ou pas? Oh, il y en a une autre. Un autre. Parfait. Bon, on va ramener deux déjà. Ce sera déjà pas mal là. Comment c'est chiant à bouger. Allez. Qu'est-ce qui m'attaque? Non, descends pas dans l'eau. Du con. Je fais comment moi? Non mais descends pas. Je suis sérieux là. Voilà, suis-moi. Je vais te faire de la merde. Putain, mais c'est quoi ce t'empêche le. Oh, encore. Attendez. Ah, ça m'a décalé la fenêtre. Voilà. Alors. Non. Pédale. Mais putain! Ah, encore une. Attendez. Mais putain, mais c'est bon, respire là. What? Une raie? Courez, Star Poulard. Venez. Les trilobites, venez. C'est bon. On a deux ou trois là. On n'a que deux. Mais comment ça? On va en prendre deux, puis les autres on va les chercher après. Toi, on va te donner ton niveau. Alors, hop. Ah, tu t'es bien battu. Allez. Hop.
Ils suivent. Parfait. Ce sera marrant après quand on aura des enclos aquatiques. Je sais pas trop comment est-ce qu'on fera les trucs aquatiques. J'ai trouvé que c'était un petit peu merdique comment il a fait Furious Jumper. Il a fait un espèce de tunnel qui passe dans l'eau. Enfin, en fait, du coup, on se retrouve sous la flotte. C'est un peu nul. Faudrait faire autrement. Je sais pas trop comment on va faire. Oh, j'ai une jambe dans un seul état. Ça me nique. Je sais pas trop. On verra. Je pense qu'on fera juste un truc qu'on regardera de du haut, mais qu'on y a, on verra pas sous l'eau, quoi. Parce que la gestion de l'eau dans Ark est bien, mais pas vraiment modifiable. Enfin, je sais pas, y a pas, tu peux pas faire une cage entre guillemets sous vide qui va sous l'eau tranquille. Ah, les limules. Je me suis... Oula, 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 bad trip. C'est bon, ça suit derrière. Donc du coup, je pense qu'on fera ça. Je vous ferai dans la vidéo, j'irai choper les bestioles, je les ramènerai jusqu'à l'enclos, enfin jusqu'à l'espace où il y a l'enclos. Et puis tout ce qui est fabrication de l'enclos, je le ferai en hors ligne. Parce que sinon, ça va être un peu chiant. Ça fera des épisodes longs pour au final pas grand chose à voir. Oh non, ah non, c'est le bien acteur ça. Donc ouais, ce serait pas très utile. Bon, on n'a aucune trace du Wyvern jusque là, donc ça va. Ça va, ça va. J'espère juste qu'on va pas arriver là-bas et qu'il n'y aura pas un putain de Wyvern. Ah merde, c'est agressif cette merde. Ah non, c'est bon. C'est juste une pédale. Putain, c'est marrant comme c'est localisé les limules. Les... Oh putain, je vais pas y arriver. Les trilobites, c'est vachement localisé. On avait là-bas et puis là on n'en trouve plus du tout. Alors la petite bande sur le côté avec des trucs que je vous ai mis, c'est parce que... sur la droite de l'écran, c'est parce que sur mon... Avec mon logiciel de record, ça met une petite barre noire avec plein de trucs de gestion de la vidéo, genre pour ajouter des dessins, des trucs comme ça. Le truc, c'est que les mecs qui ont fait le logiciel, ils ont pas trop réfléchi. Et leur truc est un peu merdique. C'est-à-dire que la bande noire avec les machins, elle apparaît dans la vidéo. Donc ça, c'est vraiment très très con de leur part. Mais bon, on fait avec. Putain, faut vraiment pas les presser, les trilobites. Hein. Bon, on a déjà deux. Je pense qu'on va, on peut en ramener quand même un petit paquet. Parce que c'est pas des bêtes massives, c'est pas comme un T-Rex. Voilà, un T-Rex. Des T-Rex, ça sert à rien d'en avoir 15 par enclos. Mais des petites bêtes comme ça, c'est plus drôle d'en avoir un bon paquet, quoi. Je sais pas si c'est faisable dans Ark, mais je trouve que ce serait assez marrant. Que les bestioles interagissent avec des éléments, par exemple des trucs à manger, enfin qu'elles puissent manger, boire, des trucs comme ça, ce serait, ça rajouterait un peu de vie, ça paraît pas grand chose, mais je pense que ça rajouterait vraiment du cachet au jeu. Parce que le problème un petit peu des développeurs de Ark, c'est qu'en fait, à part rajouter un nombre incommensurable de dinosaures, et de bestioles en tout genre, ils s'attardent pas vraiment aux problèmes qu'a le jeu, ou alors aux petits trucs qui pourraient être ajoutés. Ah merde. Aux petits trucs qui feraient la différence en fait, et qui seraient pas en soi extrêmement durs à ajouter, mais qui apporteraient du contenu quoi. Parce que là, à part nous offrir des dinos et des trucs mineurs, genre des trucs de déco, des conneries comme ça, c'est tout ce qu'ils nous font, et ça c'est un peu dommage. Je sais pas, en fait, tout simplement, je pense que Scorched Earth aurait pas dû sortir si tôt. Je pense qu'ils l'ont sorti beaucoup trop tôt par rapport à Ark. Je pense qu'ils l'ont sorti trop tôt parce qu'en fait, Ark était pas assez développé, enfin, le jeu de base
était pas encore extrêmement bien développé, il n'y avait pas grand chose dessus quand Splinter est sorti. Du coup, ça donnait un petit peu cette impression que donnent certains studios de balancer des jeux alors que leur jeu précédent n'est pas encore terminé de développer. Allez, on est presque arrivé, on y croit. Putain, la rue semble pas passer. Je sais même pas si on va réussir à passer la branche. Là où ça passe, guerrier. Allez, hop hop hop, on se dépêche. Je pense que là, juste après, je vais tourner direct mon épisode de Play as a Dino. J'enlève ces trucs-là juste pour pas que ça les gêne pour passer. Est-ce qu'il y a déjà l'espèce de petit lac? Il est par là, je crois. Oui, il est là-bas. Monsieur. C'est vraiment dur par ici. Pourri. Allez, on se dépêche. Il y a le raptor qu'on a chopé tout à l'heure qui se balade au calme. Des barres. Ah, les trilobites. MDR, le diplodocus qui est en PLS. Je sais pas d'ailleurs si c'est des diplodocus ou pas, mais ça y ressemble beaucoup. Du coup, dites que c'est des diplodocus. Enfin, marrant quand on va faire l'enclos avec des sauropodes. Lui, vous voyez, on dirait qu'il est en train de manger. Enfin, je pense qu'il est d'ailleurs en train de manger. C'est stylé l'animation. Il me semble pas l'avoir vu avec d'autres dinosaures. Enfin, en tout cas, c'est peut-être qu'il y en a, mais je les ai pas vus. Voilà, on va les mettre là, ils seront bien. C'est infesté de sélacanthes. Je sais pas s'il y en a là. Ouais, il y en a quelques-uns. Il y a des plus gros au fond, là il y a des plus petits. Puis au fond, il y a des gros. Donc comme ça fera l'enclos des sélacanthes et des trilobites. Ici, tous les petits trucs aquatiques. Là, je vais mettre un petit peu tous les petites bêtes aquatiques. J'ai vu aussi qu'il y avait un gros poisson autre que le. Que le sélacanthe dans le jeu, je vais essayer de le trouver. Je l'avais vu une fois, donc il faudrait que j'arrive à le retrouver. Hop, il est pareil. Je voudrais bien qu'il soit under, mais le truc c'est qu'ils vont se casser. Je sais pas si je vais le retrouver après, et puis je voudrais pas qu'il se fasse attaquer. C'est marrant, ils sont. C'est marrant comme ils sont modélisés, j'aime bien. J'aime bien bon, la petite boucle de pique au bout de la queue, puis même la structure et tout, c'est pas exactement comme ça que c'était un truc. Mais bon, hein, c'est très bien que l'arc diffère un petit peu de ce qui était vraiment le cas. C'est quoi cette bête là? C'est un dodo? Qu'est-ce qu'il fout là? Là, vous voyez, il y a plein de sélacantes, c'est vraiment marrant. Puis il y a des bébés, il y en a des plus gros. Putain, il est joli celui-là. Vert comme ça. Oh, non. Non, il est dégueulasse en fait. Sûrement, je croyais qu'il était stylé, mais en fait, pas du tout, déception. C'est vraiment très très sympa ce petit lac, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Le tout petit lac. Et là-haut. Oh, il est minuscule.
idée. Bon, on va les laisser là. Enfin, lui, la grosse quiche qu'il a posée. Bon, et... ah oui, il y a un truc aussi que je voulais vous dire. J'ai croisé dans le ciel, dans le coin, hein, plus vers... il y a un conditionnitus qui s'est fait tuer. Plus vers l'île qui est vers là-bas, là. J'ai croisé un espèce de gros reptile volant. Je crois que c'était un... Non, c'était pas un Quetzalcoatlus. C'était... Non, je crois qu'il est encore plus rare que le Quetzalcoatlus. C'est un ptérosaure avec sur sa tête un pic et ça fait comme un rond. Enfin, sa tête est un petit peu bizarre. Au pire, si j'y pense, je vous mettrai une image sur la vidéo. Bon, je pense pas que j'y penserai parce que j'y pense jamais. Mais ouais, on sait jamais. En tout cas, si ça vous dit quelque chose, ben voilà, je vais essayer de le choper, ça sera cool. Et donc, ça, on va voir, c'est vraiment un Diplodocus. Ouais, Diplodocus, ok. Et par contre, lui, il y a des bugs de texture avec le bout de sa queue. Oh, il m'attaque ou c'est moi là? Il fou. C'est dans les Google. Jamais. Il est trop con. Jamais. Tu me fais rien là. Tiens, tu me fais de la peine, je t'éteigne. Laisse-moi t'éteigne. Salut mami. Voilà, tiens, les copains. On va voir ce que ça donne sur ça. Oh, t'es bon. C'est comme un petit chemin ici, c'est marrant. Cool. Et après, en fait, c'est un espèce de chemin qui passe dans la forêt par là-bas, genre vers là, derrière, et qui amène à un petit clairière où il y a énormément de dinos, c'est super sympa. Au pire, si vous voulez, voilà, on va faire ça maintenant. On va finir l'épisode sur ça. On peut bien s'en offrir une petite. Hop, voilà. On va se faire ça avant de terminer l'épisode. On va aller chercher le castor. Je passe par la forêt. Je sais plus où aller rentrer. Ah oui, je sais où il y en a un. Ça peut être pas mal comme alternative le Diplodocus. Parce que c'est moins massif que l'autre. Je crois que c'est un brontosaure ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est que le dinosaure sauropode qui est proposé dans le jeu. Mais il est un peu moins massif et il va beaucoup plus vite. Il est un petit peu moins massif et il va beaucoup plus vite. Donc ça c'est pas mal, ça peut être une bonne solution. Non, non, il peut y avoir un truc qui tente, mais il faut voir quand même pas mal avancer. Non, rien. On va passer en FPS. FPS, FPS dans le sens first person. Que dalle! Putain, j'ai pris des trucs. C'est tellement gros qu'on voit rien du bon. Ah, tiens, il y a un barazon en plus. Et là-haut. Ah, il y a tout le temps des... J'allais dire des moustiques, des méganera qui viennent me faire chier. Non, ça parle. Ouais, je pense en PVP, ça doit être... Ça doit être un bon dino, du coup. Je vous le conseille. Ah, je crois qu'on a un peu de bouche dans le pied. Ah putain, des dinos. Qu'est-ce qu'ils sont? Je sais pas. On va continuer d'avancer, les gars, ça n'a rien à dire. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, il y a des espèces de gros castors. Et on va les ramener avec nous. Bien. Bon, un gros castor, hop. Je vais faire ce qu'il y a. Il y a une espèce de petite cabane, une espèce de petite maison, c'est drôle. Ah, j'arrive pas à le tame.
c'est bon, on est pas si c'est bon. Ah, je peux la raid. Excellent. Excellent, excellent. Je savais pas. Eh ben écoutez, on va en prendre un autre du coup. Attends, je dois pas avoir la MDR. C'est énorme. Alors, on va choper le l'autre. Hop, coucou. Allez, venez les gros rats. Oh, c'est marrant. C'est marrant comme question. Bon, alors là, il y a moyen qu'il formule du coup. Alors, attendez, je vais partir de suivre. Hop, hop, hop. Enable following, où est-ce que c'est déjà? Où est-ce que c'est? Voilà. Hop. Et on voit aussi. Putain, ça va être un bordel quand on va arriver. Il y a des raptors, il va falloir faire gaffe. On va plutôt prendre le. Non. On va plutôt prendre le diplo pour monter parce que. Enfin, qui devait arriver. Allez, défoncez-le. Je sais pas s'il va s'en sortir maintenant. C'est bon. On a un autre. Non, c'est un oiseau. Hop. Enfin, on est entre guillemets. Un reptile volant. Hop. Allez, let's go. Ah, j'ai le gros. On y va. On va pas rester ici plus longtemps, parce que c'est bien les bestioles. Il y a d'autres sorties. Ah, si y en a d'autres, mais ça. Qui vont faire. Ça passe ou pas? Ça passe! Allez! Hack! Ça passe pas. Fais chier. Allez, hop! Allez, tourne! Tourne, ta bête! Putain, c'est pas vrai. Allez, on tombe. On tombe. Allez, on a un autre. Ah non, c'est un terrain ici, mais là. On va pas trop s'attarder. Un dinosaure qui nous perd pas trop mal quand on a pu voir un dernier pilote. Allez, on se casse. On défonce les arbres. On se fait porter par des vêtements. Et on rentre à la maison. Et ça va. C'est pas mal que le jeu anticipe un petit peu la chute des arbres. Enfin, en fait, le jeu anticipe qu'on arrive avec un diplodocus et que donc l'arc, l'arbre va devoir tomber et qu'il n'est pas 3 heures à tomber. Bon. On a perdu les castors. Bon, écoutez. On va rentrer avec ça déjà. Pourquoi c'est pas pour l'attaque? Ah mais ça doit être les castors qui sont en fait. Je vais donner une milliard de questions. On va laisser par là, on se repose. Puis on va aller voir où en sont les castors. Hop. Ah oui, un stégosaure. Hello. Oh, cool comme bestiaire, un stégosaure. Le stégosaure, c'était le dinosaure qui avait le plus petit cerveau en, par rapport à son corps. Qui devait être sacrément con. Il était gros comme une noisette. Dès qu'on se niatus, ça m'en veut manquer. Bon, je sais pas si on va un jour retrouver. Ah. Un pterosaure qui fait chier tout le monde comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merde, je me suis paumé. Désolé pour ce motus, j'ai pas du temps à faire la bouche. Je vais vraiment voir très ça après.
un indice sur le passage de Castor. Bonjour, monsieur Raptor. Allez, j'ai un copain. Voilà. Il défendra la zone. J'espère qu'ils sont pas restés ici, ça fait un coup. Oh putain, ils sont là. Ah, ça doit pas être... Oh putain, il y a un Sarcosuchus. Bon, toi, c'est pas grave, tu feras l'affaire. Hop, on a perdu tes copains. Alors, on va prendre que toi. Allez, let's go. Hop. Peut-être qu'on les trouvera sur la route. Et là, ah, mais je crois qu'il a l'air d'être très efficace pour couper du bois. Ce qui paraît assez logique. On va tout de suite vérifier. Ah, bah tiens, ils sont là. Venez les castors. Tout de suite vérifier ça. Oh putain, non. C'est excellent qu'ils aient eu cette idée. Allez, les castors. Ah, c'est non. La famille castor, quoi. Père castor. Racontez-nous. Ceux qui en connaissent ça, vous êtes des vrais. Allez! Les castors, on se dépêche, qu'est-ce que ça fout? J'aurais peut-être pas les faire pousser dans un endroit chiant comme ça. Si quelqu'un m'avait dit un jour que j'allais galoper sur le dos d'un castor, j'aurais jamais cru. Et pourtant, nous y voilà, l'homme castor. Oh non, j'ai perdu ton frère, mais c'est pas grave. On va faire avec. Y'a qu'une. Voilà, tout ça. Oui, on va réfléchir. Isabelle Fabing. Putain, ils sont trop stylés. Voilà, ils seront ici, ils seront tranquilles. Ah, voilà. Voilà, on a nos trois castors, nos trilobites, avec d'autres trilobites qui vont bientôt rejoindre l'aventure. Niveau 51, niveau 4. Pas du tout de décalage entre les deux. Ouais, ça va être bien sympa tout ça. Bien sympa. On va essayer de leur faire faire des gosses et tout. Ça va être bien cool. Bon, en tout cas, je vous dis merci à tous de continuer à regarder cette série. Alors, attendez. Parce qu'au final, on va pas se mentir, clairement, la série a super bien marché. C'est le meilleur lancement de série que j'ai fait jusque-là sur la chaîne. Bon, alors, autre chose. Il va y avoir des changements un peu sur ma chaîne parce qu'il y a certains trucs qui me saoulent. Minecraft, voilà, je suis complètement saoulé de Minecraft, en tout cas de PrehistoryCraft et Xenocraft, mais je suis à fond sur le développement de Crafties Medieval en ce moment. J'y travaille énormément. Donc voilà, ça avance bien. Je vous tiendrai au courant de l'avancement des événements. À part ça, je vais commencer à faire des vidéos. En rapport avec le fitness, muscu, bien-être, tout ça. Parce que moi, du coup, je me suis mis à la muscu, comme je l'avais dit, avec le défi InShape. Donc voilà, j'ai enfin mis en place mon entraînement et tout ça. Donc voilà, je vous tiendrai un petit peu de tout ça assez prochainement dans mes vidéos. Et donc voilà, je vous dirai où j'en suis, ce que je fais, ce que je vous conseille, ce que je vous déconseille. Voilà, on va faire plein de petites vidéos comme ça, ça va être assez sympa. Je sais que tout mon public va pas être touché, bien au contraire, mais voilà, j'ai envie de faire un petit peu de nouvelles choses sur ma chaîne. Donc voilà, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Allez, portez-vous bien, bande de cochons!